أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدي بموتين حديث قد الرسول صلى الله عليه وسلم قد عائشة رضي الله عنها في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أحبه لقد قد الرسول صلى الله عليه وسلم في جيا سا سي أن رحمتك الله سبحانه وتعالى في فيك من مؤمن إيك يعني نشون بمن كافر. maintenant nous continuons les choses que nous tenons pour donc dans l'époque du Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pendant sur la vie net pas fini l'épidémie pas fini l'épidémie Rasoul sallallahu alayhi wa sallam il finit prédire ses mains qui dans son umma qu'on a beaucoup ben l'épidémie qui pour venir après son wafat on a une khilafa au bagasidi radiallahu anhu ça veut dire dans sa période khilafa 10 ans ainsi pas fini aucune épidémie. Après ça, nous avons gagné Khilafa Omar, radiallahu anhu. Donc, l'année 18 Hijri, nous gagnons, ça veut dire dans l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous gagnons la première épidémie qui descend. Donc, sa première épidémie qui descend, on l'appelle Taroun al-Ramwaz. Ramwaz, c'est un endroit à peu près 25-30 km avec Jérusalem, bien près. Et quand on gagne cette épidémie-là, nous prenons plusieurs milliers de sahaba qui mourent dans l'épidémie là. Et juste dans un endroit qu'on appelle Ramwaz, nous prenons à peu près, minimum, ce qui va l'historien dire, 25 à 30 000 du monde qui mourent dans un endroit qu'on appelle Ramwaz. Et ça veut dire du monde qui tombe mort, qu'on dit NDL, Python ou NDL, qui nous retrouve, on dit des tiers population qui sont dans un endroit là, mourir. À tel point que ça veut dire N la case, je veux dire comme ça, qui est une famille. Je tout filme, c'est-à-dire nous dire maman, son papa, son ben enfant, c'est la vie du monde ici ensemble. Je tout aller, qui je peux enterrer du ben du monde, comment dire, dans la case même. À ce temps, nous prenons ben grand sahaba, gouverneur qui tient dans un endroit ici, Abu Obeida ibn Zara, les Sélimons, et Abu Obeida ibn Zara, il est parmi Rachara Mubashirina bil Jannah, c'est-à-dire 10 qui Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, fin pour lui gagner paradis. Après lui, nous voulons le grand sahaba en coquille, on prend sa place comme gouverneur. Ça veut dire Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu. Lui, ici, les mots. Nous voulons une série de sahaba qui fait le mot, un grand sahaba. Par exemple, il y a Fad ibn Abbas, c'est-à-dire Al-Rabbas, son garçon. Rasoul Sassam, son propre cousin, les mots là-dedans. Nous avons Suhail ibn Amr. Comme ça, nous avons une série de sahaba. Finalement, nous avons Amr ibn As qui peut venir, qui peut prendre la gouvernance concernant l'endroit là. Mais dans les diamants comme ça, donc, Ramira, c'est un homme qui est bien intelligent. Les diamants comme ça, qui, moi, comme on peut dire ça, l'épidémie là, peut faner, me trouve pareil pour moi, différent. Ça veut dire, un différent pour lui faner, qu'il est bien dit, il est bien dit, moi, pour lui brûler, il y a quelque chose pour lui consommer. Tant qu'il y a quelque chose pour lui consommer, il est pour capable, on dit, il ravaser y aller. Et les diamants comme ça, moi, on peut trouver ça, dit, voilà, c'est je peux, on va dire, ben, dit, oui. À ce moment-là, qu'il finit, c'est-à-dire, il y a son conseil qui lui donne le même, il dit, ben là, comme ça, bougez depuis dans l'endroit là, allez le bon montant jusqu'à ça finit. À ce moment, il dit, ben là, quand je peux aller, si pas bougez en groupe, un grand, grand groupe, bougez pas juste 4-5 du monde, c'est tout. C'est-à-dire, 4-5 du monde, le montant, pas ici, à côté, il y a des hôpitaux à distance, 4-5 du monde, pas là-bas. Et là, il dit, ben là, comme ça, qui distance avec eux? Distance, un rhum. Rhum veut dire un pic, un javelot. Dans l'époque, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il y a environ 2 mètres. C'est-à-dire, maintenant, je peux faire un amas, ce qu'on appelle social distancing. Et tu as environ, ça veut dire, il y a un imam, il y a 10 groupes, 5-5 du monde. Ça veut dire, il y a un imam devant, après ça, nous prenons 4 du monde. Pas derrière, et les distances que tu as avec eux, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Comme ça. Et là, dans l'histoire, ce qui est mentionné encore, c'est qu'environ pendant un an, je finis continue à faire ce soir-là comme ça. Après ça, là, l'épidémie, là, alors, subhanahu wa ta'ala, je finis continue à descendre sur. Maintenant, l'autre leçon que nous tirons comme. L'autre leçon que nous tirons comme un hein, qui, un il faudrait qu'il y ait sa conviction là, qui, c'est qu'elle a la fin décrétée par l'islam. C'est-à-dire, un musulman, il vient finir préparer pour l'humour aussi. Psychologie, un musulman, il vient finir préparer pour l'humour. Et beaucoup de monde pénalise ça.
Et ça, il y a mon point donné. Rasoul Zassan me dit avec Ibn Omar, oh Ibn Omar, si on arrive à un trou grand matin, Mazine, t'es allé pour pas partir à l'épidémie, non, rien. L'état normal. Il dit à Ibn Omar, si on arrive à un trou grand matin, Mazine, aujourd'hui, tu vas trouver ça. Si on arrive à un trou à ça aujourd'hui, Mazine, qui? Demain grand matin, tu ne vas pas trouver. Ça veut dire, ben ça va comprendre cette psychologie qui était. Ça veut dire pas nécessairement qu'il y ait une épidémie, là, il y a une effraie. Maintenant, tu dis, dans une épidémie, tu as trois catégories du monde. Tu as une catégorie du monde qui est mort avec l'épidémie là. Tu as une deuxième catégorie du monde qui a une épidémie là, pas permis, on l'entend là, ni bien. Tu as une troisième catégorie du monde qui, malgré l'idée, dans l'épidémie là, pas tout ce tout. Tous les trois pour quitter, pour qu'à l'arrivée là. Décret là, t'as là. Sans ce décret, pour gagner. Sans ce décret, ça veut dire pour gagner, il mort, premier. Deuxième, à l'entendre ce décret, il gagne, mais si on l'entend décréter pour lui bien. Troisième, ce décret, il n'est pas pour tout ce tout. Maintenant, il y a un autre texte de Rasoul Abakara. Allah Ta'ala mentionne Alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadara al-maut. Allah Ta'ala dit dans Bani Israël, il y a un prophète qui s'appelle Hasqil. Allah Ta'ala mentionne qu'il y a un groupe du monde qui jette une épidémie dans un endroit, qui se fait faire, ça veut dire pour sauver avec ça l'épidémie là. Je finis quitte, jette l'endroit, je finis aller, et au milieu du chemin, Allah subhanahu wa ta'ala, qui finit faire, Allah subhanahu wa ta'ala, finit tuer, jette tout. Ça veut dire qu'il est arrivé, tout ça, quelque chose encore là. C'est qu'il était, c'est tout quelque chose qui arrive par décret, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire n'importe ce qu'il te pour faire, si Allah ta'ala finit décréter ton poumon avec ça, ton poumon avec ça, donc le Allah ta'ala doit qu'Allah ta'ala mette compréhension. Donc le cas, subhanallah, wa bihamdihi, subhanakallah, wa bihamdihi, 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 wa bih